Bonjour, chers élèves. J'espère que vous vous portez bien. Voilà le cours d'aujourd'hui, jeudi 26/3/2020. Le titre de la leçon est Expression de la cause. Voilà quelques règles. La raison d'un fait s'appelle sa cause. On peut exprimer le rapport de la cause dans, premièrement, les propositions indépendantes. Elles sont réunies par la conjonction de coordination car, qui ne peut jamais être placée en tête de la phrase. Exemple. Nous sortirons. C'est une phrase indépendante. Il fait beau. C'est une autre phrase indépendante. Relions les deux phrases. Nous sortirons car il fait beau. Nous sortirons car il fait beau. Deux, la proposition subordonnée de cause. Elle répond à la question pourquoi, posée après le verbe. Elle est introduite par les locutions conjonctives parce que, vu que, étant donné que, attendu que, sous prétexte que, ou par les conjonctions, puisque et comme. Exemple. Le petit garçon pleure parce qu'il a été battu par son frère. Alors, on pose la question ici dans cette phrase. Pourquoi le petit garçon pleure? Il pleure parce qu'il a été battu par son frère. La subordonnée de la cause introduite par comme se place à la tête de phrase, comme on va voir dans l'exemple. Exemple. Comme leur fils a échoué aux examens, les parents sont déçus. Comme leur fils a échoué aux examens, les parents sont déçus. Remarque. Lorsque la cause est mensongère, ou s'il s'agit d'une excuse, on emploie sous prétexte que. Ça veut dire que la cause contient un mensonge, c'est un prétexte. Exemple. Il arrivait chaque jour en retard sous prétexte que sa montre retardait. On peut remarquer ici dans l'exemple que la cause contient un petit mensonge. Numéro 3. Le groupe prépositionnel. Il est introduit par l'élocution prépositive à cause de ou bien du, en raison de ou bien du, grâce à force de, plus nom ou bien groupe nominal, ou bien par la préposition pour, plus nom ou groupe nominal. Exemple. Pierre a été puni à cause de ses absences. Grâce à votre aide, nous avons réussi. J'aime cette forêt pour son calme. Voilà quelques exercices d'application. Si on veut employer ici car. Elle a un bon caractère. Elle est aimée de tout le monde. Alors on va faire la phrase ensemble. Elle est aimée par tout le monde car elle a un bon caractère. Je répète. Elle est aimée par tout le monde ou bien de tout le monde car elle a un bon caractère. Puisque. Tu dis que tu es fort, plus fort que moi, tu vas soulever ce colis. Alors, puisque tu es plus fort que moi, tu vas soulever ce colis. On va employer parce que maintenant. Tu as été puni, tu es coupable. Alors, on dit, tu as été puni parce que tu es coupable. Employons maintenant à cause de. Il est resté au lit, il est fatigué. Alors ici, il y a un petit changement, il faut faire attention lorsqu'on utilise à cause de ou bien grâce à. On dit, il est resté au lit à cause de sa fatigue. Je répète, à cause de sa fatigue. Alors, il est fatigué se transforme en sa fatigue. Ça veut dire un groupe nominal. La même chose avec grâce à. Cette fille aura une belle situation, elle est courageuse. On va faire la phrase. Cette fille aura une belle situation grâce à son courage. On ne dit pas elle est courageuse, on dit à son courage. Je répète. Cette fille aura une belle situation grâce à son courage. Employons comme maintenant. Il a échoué, il est paresseux. Comme nous avons dit avant, comme se place toujours en tête de phrase. Comme il est paresseux, il a échoué. Je répète,
Comme il est paresseux, il a échoué. On se quitte aujourd'hui et bonne chance.